miss waking up every morning, wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. Baby, let's dance. No. I'm not in the mood. Oh, not in the mood. It's my party and my husband doesn't want to dance with me. Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo. I comunisti non vivevano solo in Russia. Un aventurier increvable, un triangle amoureux et un cinéaste nostalgique. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Salut à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Vincent. On commence donc avec l'éternel retour, celui d'Indiana Jones. Ça fait quelque chose hein, quand même. 15 ans après le royaume du crâne de cristal, voici donc le cadran de la destinée. Harrison Ford reprend le fouet, mais Steven Spielberg, lui, a passé la main. Hein. Voilà, absolument. C'est James Mangold qui reprend donc les manettes de Indiana Jones. Indiana Jones a, comme son interprète d'ailleurs, désormais 80 ans. Et oui, la preuve que les héros, contrairement à la légende, ne sont pas immortels. On avait découvert l'aventurier qui se baladait au Pérou en 1936 à la recherche d'une arche perdue, puis à Shanghai, au cœur d'un temple maudit, et enfin presque, qu'il ne remonte le temps pour une mal nommée dernière croisade. Je dis mal nommée parce que nous pensions en avoir terminé. À ce moment-là, nous étions au temps béni des blockbusters roi à la fin des années 80. Et puis non. En 2008, Indiana Jones est revenu sur le devant de la scène avec le royaume du crâne de cristal. Et puis il y avait une histoire d'extraterrestre un peu minable, ouais, assez pitoyable, faut bien le dire. C'était Steven Spielberg qui était encore quand même aux manettes. Voici donc le royaume du crâne de cristal. L'action se passe majoritairement à la fin des 60s, mais des sautes spatio-temporelles, Vincent, met notre aventurier aux prises avec des nazis. Regardez. I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. Ah, les trompettes de John Williams. Ce cinquième Indiana Jones, Thomas, il était présenté lors du dernier festival de Cannes, hors compétition. Hein, et en conférence de presse, Harrison Ford a eu droit à une déclaration d'amour d'une journaliste et sa réponse pourrait être une réplique d'Indy ou de Han Solo. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais pour le plaisir, allez, on regarde. I think you're still very hot. And... And in the and we were stunned to see you take your shirt off in the second scene. I mean, it's just and you've still got it. I mean, how do you keep fit? Look, I've been blessed with this body. Thanks for noticing. J'espère qu'un jour, si on me pose cette question, je pourrai répondre pareil. Mais hein, c'est sûr, j'en suis certain. Vraiment que j'ai un corps de rêve. Voilà, alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a un petit peu triché pour rajeunir dans le film Indiana Jones via des effets spéciaux, puisque j'ai parlé de sauts spatio-temporels. Et on voit effectivement un Harrison Ford plus fringant que naturel. Dire deux mots aussi sur le cinéaste qui reprend les rênes, je l'ai cité tout à l'heure, James Mangold, il a 59 ans, on le connaît parce qu'il a quand même une longue filmo derrière lui. Copland, Walk the Line, hein, vous vous souvenez ce biopic sur le chanteur de country, 3h10 pour Yuma, Logan ou encore Le Mans 66. Et on se disait que en nous laissant sur Le Mans 66, on avait bien fait de demander à James Mangold eh bien, de revitaliser cette saga. Sauf que malheureusement, il n'y parvient pas tout à fait même, voire pas du tout. Et comble des combles, toutes les scènes d'action sur fond vert, on sent bien que tout ça est fait à coup d'effets numériques, sont vraiment très peu convaincantes. Et surtout...
En fait, ce qu'on aurait aimé, c'est que finalement, ce héros s'interroge sur sa propre mythologie et qu'on joue justement avec cette espèce de Indiana Jones vieillissant qui essaye, vaille que vaille, de mener tambour battant l'action. Et pas du tout, c'est même pas un film qui réfléchit à ça, c'est un peu dommage. Non, la vraie trouvaille, si on peut dire, de ce film, la vraie énergie, c'est l'actrice Phoebe Waller-Bridge, qu'on avait déjà vue dans une saga, c'était dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Elle a 37 ans, elle joue la filleule d'Harrison Ford, en charge de faire oublier justement le poids des années. Voilà. Phoebe Waller-Bridge, qu'on a vu aussi dans Fleabag, dans Killing Eve, c'était la créatrice de cette série, grand nom des séries britanniques. Du cinéma américain, toujours Thomas, mais cette fois-ci dans une veine un peu plus indépendante, hein, avec le nouveau film du cinéaste Ira Sachs, ça s'appelle Passage. C'est une comédie sentimentale houleuse qui se passe à Paris. On y trouve l'allemand Franz Rogowski, le britannique Ben Whishaw et la française Adèle Exarchopoulos. On regarde et on en parle juste après avec vous. Dance with you. You dance with me? Okay. Pourquoi dit-on toujours que l'amour, que l'amour, que l'amour? I had sex with a woman. C'est un. I felt something I hadn't felt in a very long time. And I wanted to hear this. Mon âme, mon âme. Voilà, le cinéaste Ira Sachs, c'est un peu un nouveau Woody Allen, Ira Sachs. On le suit lui aussi, un peu comme James Mangold depuis longtemps. Toujours des variations sur l'amour, sur le triangle amoureux. Keep the Lights On, Brooklyn Village ou encore Frankie avec notre Isabelle Huppert nationale. Et un peu comme Woody Allen, il aime bien se délocaliser. Là, il est en France. Alors, ce qui est touchant et ce qui est amusant, c'est la manière dont se réapproprie la ville lumière, Paris, territoire de cinéma, territoire de la nouvelle vague que visiblement Ira Sachs affectionne. Et on le sent comme ça que derrière tous ces enjeux de ce triangle amoureux très actuel, il y a aussi une volonté aussi de célébrer le cinéma, et c'est pas un hasard puisque le héros du film est lui-même un cinéaste en train de tourner. Bref, c'est une espèce de film assez vertigineux, très très bien écrit, très bien joué, et encore une fois, Adèle Exarchopoulos est formidable. Je parlais de James Bond, il est derrière moi, Ben Whishaw, on l'a vu aussi dans c'est James vrai, Bond. C'est vrai, ouais. Voilà. C'était l'inventeur Q, c'est ça. Exactement. Après Indiana Jones, un autre revenant peut-être maintenant, Thomas, c'est Nanni Moretti avec Vers un avenir radieux. Le cinéaste italien, il a 69 ans, il est toujours devant et derrière la caméra et il fait un peu un point sur sa vie de cinéaste. Hein. Absolument, il adore faire ça, Nanni Moretti, et c'est vrai qu'il trône sur près quand même d'un demi-siècle, quand même déjà d'une carrière ininterrompue, à la cohérence affolante. Alors, le héros, c'est Giovanni. Giovanni, c'est le vrai prénom de Nanni Moretti, d'ailleurs c'est lui qui l'incarne. C'est un cinéaste nostalgique dans le film qui croit encore à ses idéaux passés, donc le communisme triomphant, et à son art. C'est vrai qu'il ne peut pas s'empêcher dans le film eh bien, de donner la leçon à des jeunes cinéastes. Voilà. Pourtant, Giovanni, il est de plus en plus déconnecté avec un présent qui n'annonce rien de bon pour lui, familial et artistique. Regardez. Musica. Chiamo Martin Scorsese. No. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. In questo film manca un momento what the fuck. Pouf. What the fuck? Bon, alors c'est bien du Nanni Moretti là, il n'y a pas de doute, Thomas. Est-ce qu'il faut être fan de l'italien pour apprécier cet avenir radieux? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'on retrouve Nanni Moretti et on le sait, c'est une veine que ses adorateurs connaissent, c'est la veine de l'autofiction, celle du Journal Intime ou d'Aprile. C'était déjà en 98, il a fallu attendre jusqu'ici, c'est pour ça que vous avez bien fait parler de retour, pour revoir cette veine là où Nanni Moretti en fait s'interroge sur son art, mais pas seulement, aussi sur la politique. Hein. On le voit, le film que est censé réaliser ce film, ce cinéaste se passe dans les années 56, voilà, au moment où le communisme redevient, enfin, perd l'occasion, pour, en tout cas pour Nanni Moretti, d'être flamboyant à nouveau. C'est un film qui est assez impitoyable quand même, parce que derrière la comédie, c'est quand même un portrait pas très flatteur du cinéaste lui-même. C'est vrai qu'il campe une espèce d'anti-héros un peu cabot et réac, dont l'ironie grinçante sauve quand même, in fine, les apparences. Voilà, il sait que le temps est compté et surtout la chair est triste, hélas, et on a vu
Vincent, tous les films. J'adore quand vous faites du mal armé, Thomas. Allez, on termine. On termine avec la ressortie d'un classique du polar français, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Oui, on se lasse pas de le revoir ou de le revoir. À chaque fois qu'il fait peau neuve, il ressort en salle et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un film noir iconique aux couleurs délavées qui marque l'une des rencontres, les plus importantes du cinéma français, voire du cinéma tout court, Alain Delon, on est en 1967, et le cinéaste Jean-Pierre Melville. Et ce Samouraï, ça va être presque le premier volet d'une trilogie informelle que vont former par la suite Le Cercle Rouge, en 1970, et Le Crépusculaire, Un Flic, en 1972. Trois polars que je pourrais dire les Melville-Doloniens, pour vraiment faire un mot valise avec les deux personnalités. Trois polars, tristes à pleurer à la mise en scène précise où le temps étiré confine à l'abstraction. Alors, deux mots sur le Samouraï, c'est l'histoire de Jeff Costello. Jeff Costello, c'est un tueur à gages solitaire qui a vraiment une vie extrêmement rangée et mécanique, pourchassé par un commissaire entêté qui veut comprendre pourquoi une femme, témoin d'un de ses forfaits, cherche à le couvrir. Notez aussi que la musique magnifique du film est signée François de Roubaix, qui est un bijou que vous pourrez réentendre d'ailleurs en ce moment même à la Cinémathèque française, où a lieu une rétrospective consacrée au compositeur. Et puis, le saviez-vous, Vincent ? Eh bien, que Jonito, le cinéaste hongkongais, avait signé une suite plus ou moins officielle du Samouraï, ça s'appelait Vengeance, et vous le voyez là, Alain Delon était devenu Johnny Hallyday. Et c'est un autre genre de beauté. Il s'appelait aussi Costello, un peu plus bleu que l'original était un peu pâle. Mais voilà. Voilà le Samouraï. De Jean-Pierre Melville, on a compris, vous êtes fan. Merci Thomas. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce numéro 2 à l'affiche, mais l'histoire continue bien sûr sur France24.com, sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et on se quitte donc avec ces images, moins délavées puisque restaurées, du Samouraï de Melville. Je dois les trouver. Avant qu'ils me trouvent. Quelle sorte d'homme êtes-vous ? Je viens d'entrer dans l'immeuble du 1 rue Lord Byron. Qu'est-ce que je dois faire, chef ? Rien.